On va voir ici comment gérer notre page d'accueil. Donc, il y a deux façons différentes de travailler notre page d'accueil. Donc, pour aller ajuster le tout, on s'en va dans Personnaliser. Quand on fait ça, donc ici, on a à droite ce que ça donne et à gauche, on a les différents éléments qu'on peut modifier. Moi, je vais m'intéresser surtout ici à la page d'accueil. Donc, c'est quoi la page d'accueil? Quel contenu on va retrouver? Donc, il y a deux façons. Ici, on pourrait dire que c'est les derniers articles qui sont affichés, un peu comme un quotidien, un journal sur le web. On a le dernier article qui s'affiche en premier. Ça donne une idée que l'importance de la dernière publication. Ici, on veut plutôt une page statique, donc une page qu'on va modifier nous au besoin, mais qui donne de l'information, par exemple, sur la semaine en cours. Ben, à ce moment-là, on vient choisir une page statique et on peut la sélectionner dans les pages qui existent. Donc, la page doit exister pour venir la sélectionner. Et une fois qu'on a la bonne page, donc on enregistre et publie tout simplement. Maintenant, notre page d'accueil contient la page en question. Cette page-là, comme j'ai dit, on peut la modifier pour la mettre à jour aux semaines, aux cycles, comme on le désire, pour aider notre visiteur à retrouver ce qu'on veut lui présenter.